Communiqué final de la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de la communauté d'Afrique de l'Est sur la création d'une force régionale en République démocratique du Congo, Goma, le 7 juin 2022. Sur invitation du général Mbala Moussa-Célestin, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, la réunion des chefs des forces de défense des pays de la communauté des états de l'Afrique de l'Est s'est clôturée ce lundi 7 juin 2022 à Goma. Cette réunion a été présidée par le général Robert Kibochi, chef des forces de défense du Kenya. Elle a eu pour but de passer en revue la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et d'examiner le rapport des travaux des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma. La réunion a été décidée suite au deuxième conclave des chefs d'État sur la RDC qui s'est tenu à Nairobi, au Kenya, le 21 avril 2022. La rencontre des chefs des forces de défense des East African Community a consacré les discussions autour des modalités de la mise en place d'une force régionale destinée à contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie est de la RDC. Plusieurs recommandations prises lors de cette rencontre seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense qui auront lieu du 15 au 19 juin 2022 à Nairobi, au Kenya, avant la validation par les chefs d'État de la communauté. Enfin, les chefs des forces de défense des États de l'Afrique de l'Est ont remercié le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'accueil et l'hospitalité leur réservée.